trop crevée, ça doit trop se voir sur ma tête. Hier j'ai enchaîné de la peinture et tout ça pour cette journée. Là je suis en train d'imprimer des affiches parce qu'on prépare une action. Donc là aujourd'hui je vais peindre quelques slogans. Moi mon idée c'est vraiment de faire des déclics chez les personnes qui lisent la pancarte. J'ai hâte d'y être, j'espère que ça va bien se passer. J'ai vu qu'à Paris il y avait eu clairement des violences par les forces de l'ordre. Donc j'espère qu'ici ça sera pas pareil. C'est pour ça aussi que si toi t'oses pas manifester ou que ça te fait trop peur ou je sais pas quoi, tu peux très bien aider aussi en peignant des slogans, en faisant des pancartes, enfin ce genre de choses quoi. On fait deux lettres par feuille et tu vois c'est pas bien compliqué hein. Tu trouves un pot de peinture, ça je l'ai acheté chez Action, ça coûte que dalle. À la limite tu peux te mettre à plusieurs pour acheter la peinture, à plusieurs pour peindre. Et pour ce qui est de la colle, tu peux trouver plein de tutos, tu peux les faire toi-même avec de la farine et de l'eau, c'est super simple. Donc vraiment, voilà, c'est pas compliqué quoi. Voilà, j'ai pas pu filmer grand chose de plus parce que bah, j'ai fait des directs et que je voulais profiter de l'ambiance. Je te conseille vraiment de venir dans ces moments qui sont super importants. Il n'y a rien d'acquis, vraiment rien d'acquis et encore beaucoup de choses à déconstruire. Donc c'est vraiment urgent cette année, l'année prochaine et toutes les années qui arrivent de se mobiliser pour mettre enfin fin à toutes ces violences.